Cibit, on commence notre petite tournée chez Azrock. Chez Azrock, on a bien sûr, comme toujours, la petite gamme Fatality, avec des modèles qu'on voit un petit peu moins chez nous, un petit peu moins dispo, mais très beau modèle en Z77 Professional M. On a toutes les fonctionnalités Azrock sur du format micro ATX qui est plutôt sympathique. On a également la Z77 Performance, une carte qu'on voit peut-être pas trop souvent en France, mais qui pourtant, d'un point de vue physique, présente plutôt très très bien, comme vous pouvez le voir sur ces différentes images. On va aller voir les cartes mères en Z87 et H87, donc les cartes mères qui sont pour les processeurs Aswell. Pour le moment, pas beaucoup de specs sur ces cartes, on voit, ça reste une carte plutôt classique, on n'a pas encore les designs des radiateurs. Au niveau des specs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour une fois, les 8 ports SATA sont en SATA 3, donc on aura tous les modes RAID qui seront assurés par le processeur. On aura donc le modèle Extreme 6 en Z87, également le Pro 4M, donc en micro ATX, et une version un petit peu plus low cost, on va dire, avec la Pro 4 qui sera en H87, donc normalement, pas d'overclocking au niveau du CPU. Dernière chose importante à voir chez Azrock, le nouveau mini PC de type gamer, le voilà. Donc design par BMW, format mini ITX. On a un riser qui remonte la carte qui permet de mettre une grande carte graphique avec de la puissance comme on a envie. C'est ouvrable avec des aimants. Donc ça c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bien fait. On a un châssis qui mêle acier et aluminium. On le retourne dans l'autre sens. À l'avant, on a le power on, les différents ports USB, le manche disque pour le lecteur optique. On voit, on a les différentes parties en aluminium. Et à l'intérieur, on a donc l'alimentation qui est à l'avant, la carte graphique, la carte mère en mini ITX, et donc le riser qui permet de mettre la carte graphique. On la voit, elle est ici. On referme tout ça. On était chez Azrock, on est au Cebit et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos.